It certainly is. Bonjour, ma classe! Bonjour, madame! Bonjour. Okay, class. Look out on here. Class, regardez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, class. S'il vous plaît, classe, regardez le calendrier. Ce calendrier est numéro 1 ou 2? 1. Et ce calendrier est numéro 1 ou numéro 2? 2. Ok. Classe, applaudissez-vous. Vous êtes intelligent. 1, 2, 3. Ok, classe, ça suffit. Ok, classe, aujourd'hui... Class, applaudissez Olivia. Applaudissez-la, beaucoup! Class, applaudissez-la avec enthousiasme! Ok, class, levez-vous! 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 Oh, Olivia, ne te lève pas. Class, levez-vous! Olivia, ne te lève pas. Class, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Hey, class, applaudissez-la! Ok, class, dites à Olivia merci bien. 1, 2, 3. Merci bien, Olivia, et applaudissez-la. Ok, asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, merci. Ok, class. Aujourd'hui. Oui. Sorry, it's not your job. There can only be one. Sorry. Fire him. Hey class! Aujourd'hui! Oui, oui. Merci. Et mercredi? Ou jeudi? Jeudi. 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 Ooh, class! Hier? Mercredi? Hier? Était normal? Ou spécial. Spécial. Hey class, vous êtes arrivés à West Sullivan Middle School, à l'école West Sullivan Middle School, à 11h15 ou à 9h15. 15. 11 ou 9h? 11. Mercredi. Hier, vous êtes arrivé à l'école à 11h ou à 9h? 11. À 11h15. 11h15. Ok, classe, aujourd'hui. Oui, oui. Merci. Vous êtes arrivé à 11h15 ou 9h15? 9h. Ok, so hier, 11h15. Aujourd'hui, merci, 9h15. Hey class, quelle heure est normal? 11h15 ou 9h15? 9h. Ouais, ça c'est normal. Et 11h15, 11h15 est spécial, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et classe, hier était normal ou spécial? Spécial. Et aujourd'hui? Oui, oui. Merci. Et normal ou spécial? Normal. Ouais, aujourd'hui. Oui, oui. Merci. Et normal. Ouh, et classe. Ok, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26. Classe, le 26 est l'anniversaire. C'est un gâteau.
Hey, class. Je ne suis pas artiste. Okay. Ça va? Oui ou non? Ça va? Class. Gâteau en anglais. Hey. Okay. Okay, I'm glad you can tell what that is. Okay. Le 26, mardi, est l'anniversaire de Charlotte. Comme ça. Oh, class, applaudissez Jean-Marie!
c'est le calendrier. Applaudis-le. Applaudis le calendrier. Avec enthousiasme. Calendrier 1. Calendrier 1. OK, 1, 2, 3. Calendrier 1. Calendrier 1. Super, merci. Classe, il est fantastique. Il est comme ci, comme ça. Ou fantastique. Non, il est fantastique! Classe, dites-lui, tu es fantastique! 1, 2, 3, tu es fantastique! Ok, classe. Reese, je déteste les mathématiques. What did I just say? Why? Reese, je suis stupide en mathématiques. Je suis nul en mathématiques. Oh, class. 0, 7, 3. Okay. Okay, class. 170. Whew. Class. They are. Ouais, la date est 136,000 points. Et classe, en anglais, virgule. En français, point. 136,000 360. Phew, class. Et classe, 60 et 10. Ça, c'est 60 10. Turn to somebody near you and tell them what you just learned about French numbers. They're very strange sometimes. Very strange. Cassius, don't let them seduce you. Keep your food. I forgot who counts. Oh, Charlotte counts. Charlotte needs a backup. Oh, I'll do it. So let's see how you do it. Go. Il fait chaud. Wow.
Froid? Oui. Hey class, il fait froid? Vachement froid. Vachement froid. Froid? Non. Froid? Juste froid. Juste froid. Vachement froid. Vachement froid. Et class. Juste froid. Ow. OK. Vachement froid. OK class, il fait froid. Hey class, regardez. Il fait soleil ou il fait gris? Gris. Pas de soleil. Non. Juste un oui. peu? Non. Oui, oui. Oh, Mathieu et Joala disent qu'il y a juste un petit peu de soleil. Non. C'est correct ou non? Non. Oui, oui. Hey class, on va voter. Un peu de soleil. OK. Pas de soleil. Joala. Désolé. I Mathieu, désolé. Pas de soleil. What? There it is. Oh. Hey, Joala, la classe a voté. La classe a voté. Who helped us yesterday? Oh, Sophie, was it you? Are you going to do it again? No. Hey, Sophie, tu adores calendrier numéro 2? Adore. Wow, class, I bloody say Sophie! Yeah, pretty good. Okay, merci. Sophie, lève-toi. Okay, Sophie, we need to practice that number, okay? So it goes like this. Okay, it literally says 136,000. Then I skipped a little space. You see that skip in there? Okay. So 136,000 is 136,000. You want to do it with me? Practice? Okay. 136,000. Nice job. You can get to look at it. Plus, I pretty say that. Yeah. Okay, and then 370 is 370. 370. Let's say it all together, okay? You might want to read it and say it, okay? Okay, Sophie, un, deux, trois. 136,000, 370. Or do you want to do that? I thought we were just doing the last part. Okay, let's do the whole thing. Okay, you can do it with us if you want. Un, deux, trois. 136,370. Whoa. Dude, Reese, do you like love math or something? No. We should say the number in front. Tu détestes les mathématiques? Je déteste les mathématiques. Tu aimes les mathématiques ou tu détestes les mathématiques? Détestes. Whoa, class! Like Reese détestes les mathématiques. He's trying to get his revenge on math. Feels even harder and fresh. I swear the numbers are so strange. Okay, Sophie, are you ready? Yeah. You guys can read with us if you want. Sophie, you never know. You might be doing this for the rest of the year. Later on, we won't have to spend so much time on the calendar. You'll know all the words. Okay, Sophie. Sophie? Mm-hmm. Moi et la classe. Okay? Okay, un, deux, trois. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 136,370 septembre. Il fait froid, il fait gris. Class, après, c'est Sophie! Sophie, merci, merci. Class, regardez. La ca... Whoa, Mr. Rigolo! Hey, class! Regardez la carte de Ethan A, celle de Mr. Rigolo. Class, Mr. Rigolo aime les Cheetos. Tu aimes les Cheetos. Oh non, les Cheez-Its. Oh, et class, Kelsey aime les Cheez-Its. Oh, c'est pas un Cheez-It. Hey, Monsieur Rigolo, qu'est-ce que c'est? C'est un Cheez-It? C'est un Cheez-It. Whoa, class. Kelsey aime les Cheez-It. Et...
Chelsea Emily cheese it. Orange. A. Monsieur Rigolo. M. Les Cheez-Its. Orange. Hey, Kelsey. Tu aimes les Cheez-Its normal ou les Cheez-Its français? Normal. Oh, normal. Les Cheez-Its américains. Monsieur Rigolo. Monsieur Rigolo, tu aimes, okay, Kelsey M. Les Cheez-Its normaux. Les Cheez-Its américains. Monsieur Rigolo, tu aimes les Cheez-Its normaux? Oui. Ou élégants? Normal. Les Cheez-Its normaux. Okay. American. Orange. N'est-ce pas? Oui. Les cheese et orange. Et classe, regardez. Monsieur Rigolo aime les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Hey, Monsieur Rigolo. Tu aimes... Est-ce que tu as un système de jeux vidéo? Oh, classe. Il a un ordinateur. Un ordinateur. Hey, Monsieur Lundy. Tu aimes les jeux vidéo, n'est-ce pas? Adore. Oh, classe! Il adore les jeux vidéo! Classe, applaudissez-nous! Monsieur Lundy a parlé en français! Applaudissez-le avec enthousiasme! Wow! Yay! Monsieur Lundy, est-ce que tu as... un système de jeux vidéo ou un ordinateur? Computer. Un ordinateur. Ok, ok. Hey, class. Monsieur Rigolo aime les Cheez-Its. Français ou américain? Américain. Orange ou bleu? Bleu. Normal ou bizarre? Bizarre. Élégant ou normal? Normal. Et Kelsey M, les Cheez-Its élégants ou normal? Normal. Élégant, classe, ou normal? Normal. Et qui aime les Cheez-Its deluxe? Les Cheez-Its élégants? Sophie, tu aimes les Cheez-Its élégants ou normaux? I detest Cheez-Its. Woo! Kelsey! Monsieur Rigolo! Kelsey déteste les Cheez-Its! C'est triste! Kelsey! Tu... Kelsey. Désolée, Sophie. Désolée. Sophie, tu détestes... Jala. Erin. Tu penses que Sophie déteste les Cheetos? No. I don't detest everything. Sophie, tu détestes les Cheetos? Tu aimes les Cheetos? Tu adores les Cheetos? Tu aimes les Cheetos? Oh, hey, I was right. Hey, Kelsey, tu penses que les Cheetos sont comme ci, comme ça?
Monsieur Rigolo. Pense que le calendrier numéro 1 est comme ci, comme ça. Et tu penses que les Cheetos sont comme ci, comme ça. Monsieur Rigolo. Oui? Oh! Magique. Sophie est fantastique. Monsieur Rigolo. Sophie, applaudis Sophie. Non, pas la glace, Monsieur Rigolo. Applaudis-la. Avec enthousiasme. Dis à Sophie, tu es fantastique. Sophie, dis-lui merci. Sophie, comme si, comme ça. Sophie n'est pas comme si, comme ça. Les Cheetos sont comme ci, comme ça. Calendrier numéro 1 est comme ci, comme ça. Elle est fantastique. Dis-lui, tu es fantastique. Tu es fantastique. Dis à Sophie, tu es fantastique. Fantastique. Et applaudis-la avec enthousiasme. Sophie, dis-lui merci. Merci. Class, applaudissez-la. Ok, class. Hey, Monsieur Lundy. Quel jeu vidéo est ton jeu vidéo préféré? What I ask him? What's your favorite video game? Fantastic, class. Terraria? Oh my God. C'est fantastique? C'est comme ci, comme ça. Fantastique. C'est super fantastique. Yeah. C'est vachement fantastique. Yeah. Tu adores Terraria. Yeah. Hey, Monsieur Rigolo, tu aimes le jeu vidéo Terraria? Comme ci, comme ça? Oh, tu ne connais pas le jeu vidéo? Oh, he doesn't know it. So, class, connaît means to know, like to... Did I teach you this one, say? Mm-hmm. Yeah. So, say means to know something with your head, like to know a fact. And connaît means to know something, like to know it really well, like to know it with your heart. So show me, connaît. Say, connaît. Say, hey, Monsieur Rigolo, tu connais Terraria? Oh, class. Oh, Monsieur Lundy. Il aime, what did I just say? Il. Tu aimes les jeux vidéo ou tu adores les jeux vidéo? Ou tu aimes les jeux vidéo? Et tu... Monsieur Lundy, il aime les jeux vidéo. Et il ne connaît pas Terraria. Oh, c'est triste. Ouais, c'est triste. Monsieur Lundy, c'est un peu... triste? Ou vachement triste? Vachement triste. Oh, ça, c'est vachement triste. How do you feel? Hey, class, c'est un peu triste? Ou c'est vachement triste? C'est vachement triste. You should check it out. Students, turn and tell somebody near you what you're going to see on this artwork that we're about to turn around. Go! Gold rice! A rich Canadian gold rice! Is it too smart? Who drew this? Daisy. It was Kelsey. Outside, and then looking at sheets of paper, random words. Hey, hopefully, class. Someone puts them together. Regardez le bolus. He looks retarded. Not at all. Look at someone who's actual. That's really good. That's funny.
Okay, class. Le ball. Le riz. Le ball. Le riz. Le ball de riz. Okay, class. Ce ball. Ooh, whoa, class. Regardez. Il est grand ou très grand? Très grand. Oui, classe, regardez le bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Classe, il y a 6 étages. Classe, ce bâtiment est petit ou grand? Grand. Il est haut, n'est-ce pas? Oui. Et il est aussi grand que le bâtiment. Le bâtiment est haut, grand. Et le bol de riz est aussi grand que le bâtiment. Et classe, le bâtiment a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. C'est un grand bâtiment. Et lui, le bol, il est aussi grand que le bâtiment. Hé, classe, le bâtiment est plus grand? Oui ou non? Oui. Non. Le bâtiment, il est plus grand que le bol de riz? Non. Aussi grand. Ouais, il est aussi grand que le bol de riz, n'est-ce pas? Oui. Le bol de riz est plus grand? Ou aussi grand que le bâtiment? Oui, il est aussi grand que ce bâtiment. Et ce bâtiment est grand. Oh, et classe! Huh. Classe, il a de l'eau dans la bouche. Oh, il est stupide. Oh, classe, il a de l'eau qui tombe de la bouche. Et classe, il est un peu stupide ou vachement stupide? Vachement. Oh ouais, classe, il est vachement stupide. Oh, et classe, il est pauvre ou riche? Riche. Un peu riche ou vachement riche? Vachement riche. Oh, il est vachement riche. Oh, et classe, ces dollars sont des dollars américains ou canadiens? Canadien. Oh, il est canadien, n'est-ce pas? Oh. Hey, classe, regardez, c'est le drapeau de Canada. Hey, classe, ça c'est le drapeau de Canada ou Mexique ou Espagne? Canada. Canada. Ça c'est Mexique ou Espagne? Espagne. Et ça c'est Mexique ou Espagne? Mexique. Ça c'est le Mexique. Ça c'est Espagne. Et classe, ça c'est le drapeau. C'est le drapeau de Canada ou des États-Unis? Des États-Unis. Ouais. Et ça c'est le drapeau de Canada ou des États-Unis? Des États-Unis. Et ça c'est Rio. Classe, qu'est-ce que c'est? Brésil. Ouais, ouais. Et ça c'est, ok classe, pensez, ça c'est Australie ou la Nouvelle-Zélande? Australie. Australie, ouais. Et ça c'est Irlande ou Mexique? Irlande. Et ça c'est Allemagne ou Irlande? Allemagne. Allemagne en anglais, classe. Allemagne. Germany. Mm-hmm. Allemagne. Et ça c'est la France ou le Canada? France. Et ça c'est Angleterre. Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ok. Hey, classe, il est anglais, américain ou canadien? Canadien. Ouh, classe. Au Canada, on parle français et anglais. Il parle français? Oui. Il parle français? Oui.
Oui. You parle anglais? No. No. Oui. Canadians, like, it's English and French stuff. Il parle français et anglais. Oh, classe, il est bilingue. Il est bilingue? Oui. Il parle français et anglais. Oui. Ça, c'est normal. Au Canada? Oui. Un peu normal. Au Québec? What's Québec? It's Quebec. Quebec in English, right? So what part of Canada is that? Yeah, Sophie? It's in the east, yeah, British and Columbia. Quebec is pretty special because anybody know why Quebec is a special part of Canada? Is it French? That's the French-speaking part. British Columbia is not really all that French-speaking, but if you go there, anybody ever, well, you've been there, you've been to Whistler. Anybody ever been to British Columbia? And you notice there's a lot of signs in French and stuff? Even though there's not a lot of French-speaking people in British Columbia, the law of Canada is that every single province, do you guys know what the provinces are? Mm-hmm. Yeah. They're like our states, right? There's not that many of them, though. I think there's only like 10. The law is that in every province, not just Quebec, but Quebec is the one that's like bilingual, right? Do you guys know what bilingual means? Yeah. What does bilingual mean? Multiple languages. What's trilingual? Three. Mm-hmm. What's multilingual? All languages. You would speak more, yeah, a lot of languages. So in Quebec, there are a lot of people who do speak both. And then there's a lot of people who just speak French, and a lot of people who just speak English. But the signs all over Canada, the law is that they have to be in French and English, because I guess they don't want people leaving Quebec and driving around and not being able to read the signs in their own country. It's officially a bilingual country, even though most of the people who speak French live in Quebec. Ooh, classe! Le Bolderie! Il est Canadien. Il parle anglais. Et français, il est bilingue. Hey class, le Bolderie est québécois. Il est de Québec? Oui. Il est québécois, oui ou non? Oui. Hey class, il est québécois. Il n'est pas québécois. Québécois. Pas québécois. Class, il est québécois. Non. Il parle français, il parle anglais, il est bilingue. Il est canadien, il est québécois. Où classe, ce bâtiment est au Québec? Il est au Québec? Ça, c'est un bâtiment de Québec? Oui ou non? Classe, ce bâtiment est au Québec, oui ou non? Oui? Mia pense que oui. Oui, Mia. Oui. Le bâtiment est québécois. C'est un bâtiment au Québec. Ouh, classe. À Montréal. Ou à Québec. Regardez. Ça, c'est le province de Québec. Et ça, c'est Montréal. Et ça, c'est Québec. Classe. Québec est une province et une ville. Comme New York, New York, okay? New York, New York. Actually, I guess it's more like this. New York, New York, right? Québec, Québec. Hey, class. Ça, ce bâtiment est à Montréal ou à Québec? Ok, classe. Montréal est grande et Québec est petite. Il est à Montréal qui est grande ou à Québec qui est petite? Montréal? Classe, Montréal. Ok? Québec.
Hey class, il est à Montréal. Ok, et il est intelligent? Non. Oh, un peu stupide? Non. Vachement stupide? Oui. What? Oh, et class? Oh, il est très, très, très grand. Et la personne... Hey, Kelsey. La personne est normale ou petite? Ok, c'est une personne normale. Et le bol de riz est super grand. Hey, class. La personne est surprise. La personne est surpris. Il pense, wow, le bol de riz est super grand. Il est vachement grand. Ouh. Il pense, le bol de riz, wow, est vachement stupide. Hey class, la personne pense que le bol est grand ou stupide? Ou grand et stupide? Ok, la personne pense, wow, le bol de riz, il est super grand et vachement stupide. What's he thinking? Wicked dumb. Ok, class, you're gonna sit there, you're gonna hold your things. I have three questions to ask you, ok? So straighten up and get ready.